Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer des données qui sont dans un fichier Excel dans PCVue et surtout comment automatiquement générer euh, à l'aide de ces données une configuration dans PCVue. Donc, par exemple, on a un fichier ici assez euh, typique euh, et classique dans le domaine de l'automatisme et de la supervision qui contient des données d'un automate avec un certain nombre d'éléments. L'automate, des informations, le type euh, d'entrée-sortie, et également euh, des propriétés comme euh, la température ou euh, l'échelle euh, min-max et, euh, et toutes les informations nécessaires euh, à la configuration des éléments d'un automate. Donc dans PCVue, la première étape consiste depuis le menu configuration à ouvrir l'application Explorer qui est le, euh, le configurateur de PCVue et dans la partie générale d'aller référencer le fichier Excel avec lequel on va travailler. Donc on lui donne un nom. Ce nom est important parce qu'il va être euh, utilisé par la suite et on sélectionne le fichier avec lequel on travaille, donc par exemple configuration API. Voilà, une fois cette étape euh, réalisée, on va dans euh, l'application architecte qui est donc L'outil qui permet de modéliser, de créer des modèles d'objets au sens large, c'est-à-dire des objets qui vont contenir aussi bien des variables que euh, euh, des fonctions d'archivage, des expressions, euh, des symboles, etc. Alors, pour notre exemple, dans notre bibliothèque de projet, on va créer un modèle qu'on peut appeler EQt pour équipement, dans lequel on va créer un élément tout simple, une variable de type mesure qu'on peut appeler temp pour une température, par exemple. Et donc, à cette étape-là, euh, classiquement, on définit les propriétés de notre variable. Et là, au lieu de définir euh, nos propriétés de manière statique, avec des valeurs en dur, des valeurs figées, on va utiliser des expressions. Donc, par exemple, là, pour la description, je clique droit, et je peux dire que cette description, je la définis par une expression. Et cette expression va nous permettre de récupérer des informations, des données, dans le fichier Excel. Alors pour en savoir plus sur les expressions, vous pouvez aller dans l'aide ici. Dans l'onglet Rechercher, vous tapez Excel et vous avez ici référence de fichier Excel dans une expression. Et vous avez donc toutes les expressions qu'on peut utiliser pour récupérer des données dans Excel. Dans le cadre de notre vidéo, nous allons nous intéresser à deux expressions. Excel, GetCell » qui permet donc de retourner le contenu d'une cellule donnée. Et Excel vLookup qui permet d'aller rechercher une valeur dans une colonne et lorsqu'on a trouvé cette valeur, de récupérer une information dans la ligne et dans la cellule qui correspond. Alors, on va commencer par la première expression. Et donc, dans l'architecte, il suffit ici de coller expression. Le premier argument, c'est le nom de la référence du fichier. Donc, mon fichier Excel, entre guillemets, à ne pas oublier, le nom de la feuille dans laquelle se trouvent nos données. Donc la feuille ici, c'est base organe. Et ensuite, on précise la ligne et la colonne. Alors. La ligne, c'est donc la ligne, prenons la ligne 13 par exemple, et la colonne 6. Ce qui nous permettra de récupérer la description d'un de nos éléments. On supprime l'argument optionnel et on a ici défini une description. Alors pour tester ce modèle, on peut créer une instance de ce modèle. Donc pour cela je sélectionne le modèle ici et je fais un glisser-déposer et j'ai mon modèle d'équipement. Donc là je vois que mon équipement il a une variable et qu'on a une expression. C'est l'expression qui vient de rentrer. Et au moment de l'instantiation, PCVue essaye de résoudre l'expression et on voit qu'il va chercher la bonne valeur qui correspond dans le fichier Excel. Donc on a bien ici notre description qui correspond à euh, la colonne 6 et la ligne 13. Maintenant, si on génère notre configuration, on peut vérifier dans l'application Explorer au niveau des variables qu'on a bien créé une branche équipement 1, qu'elle contient bien une température et qu'on a récupéré la description. Qui correspond également à ce qu'on a dans notre fichier Excel. Donc là, on voit facilement comment on peut récupérer une donnée dans Excel et générer la variable ou une variable en tout cas qui correspond avec des propriétés qui correspondent à ce qu'il y a dans Excel. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et dire, donc on va supprimer cette instance là. Et ici, utiliser une expression euh, euh, qui soit un petit peu plus intelligente dans la recherche. Et dire, par exemple, on veut pouvoir récupérer euh, la description de l'élément qui s'appelle TT111/E. Dans ce cas-là, on va utiliser une autre expression qui sera le Excel VLOOKUP et qui permet justement de rechercher une certaine valeur dans une colonne et de récupérer dans euh, la ligne qui correspond une information dans une cellule. On va le faire. Donc je copie cette expression et je vais l'appliquer dans l'architecte. Je renseigne de nouveau la référence de mon fichier. Le nom de la feuille dans laquelle se trouvent les données. Ici, j'indique la colonne dans laquelle je recherche une valeur. Donc en l'occurrence, ça sera cette valeur, donc c'est dans la colonne 5. Je donne la valeur que je recherche dans cette colonne, donc là en l'occurrence ça sera tt111/e. Et lorsque j'ai trouvé euh, la ligne qui correspond à cette valeur, je donne la colonne dans laquelle je veux récupérer ma valeur. Donc en l'occurrence ça sera la colonne 6 pour la description. Je supprime les arguments optionnels. Voilà. Donc normalement, ici, au niveau de mon instance, je récupère bien le nom de euh, ma description, mais par une expression un petit peu plus euh, avancée. On pourrait maintenant rendre... Je supprime de nouveau cet équipement cette instance pardon on pourrait euh, utiliser cette recherche pour faire quelque chose de euh, plus puissant euh, encore par exemple on pourrait dire que dans notre fichier excel on veut euh, rechercher donc toujours un élément dans ce fichier mais que cet élément le nom de cet élément ou une partie du nom de cet élément corresponde à un de nos équipements à une instance de notre équipement donc pour cela on va dans le modèle dire qu'une partie du nom n'est pas statique mais correspond au nom de l'instance. Et pour ça, on va utiliser template instance.name plus slash e. En faisant ça, PCVU va chercher dans la colonne 5 tous les noms dont le début commence par le nom de l'instance de mon objet et qui se termine par slash e. Et va nous retourner le contenu de la colonne 6. Donc pour tester cela, on va créer une instance qu'on va appeler par exemple TT111. Et là, pcvue nous dit qu'il a bien réussi à récupérer la bonne description qui correspond à TT111-E. De la même manière, si je crée une instance pour maintenant un élément, donc copier, copier, coller, donc pour un autre élément qui s'appellerait TT112. De la même manière, PCVU a résolu l'expression en allant chercher dans la colonne qui commence par TT112 et qui finit par slash E, le contenu de la colonne description qui est bien donc mesure température entrée EG secondaire bouteille. Donc, dans mon modèle, j'ai ici fait une expression générique qui m'a permis de récupérer en colonne 5 un nom qui commence par le nom de l'instance qui se termine par /e et d'obtenir la description de euh, la colonne 6 correspondante Maintenant, on peut aller, selon le même principe, récupérer d'autres informations. Par exemple, euh, on peut ici récupérer l'unité, qui est en, comment en colonne 35. Donc pour cela, on va simplement, dans le champ Unité ici, définir une expression qui sera sensiblement la même, mais on récupérera... L'information de la colonne 35 pour l'unité. Alors, testons dans l'instance. Voilà, on a bien récupéré l'unité pour l'élément TT111 et pour l'élément TT112. Si maintenant on régénère, on peut vérifier qu'on a bien. La création de deux branches pour nos deux éléments, nos deux organes, TT111, avec une température qui est bien euh, EG primaire et une autre température qui est bien EG secondaire, chacune d'entre elles ayant une unité en degrés Celsius. Voilà. On a donc démontré comment récupérer des informations issues d'Excel dans PCVue et générer la configuration correspondante dans PCVU. Cela permet d'éviter la double saisie et donc de limiter le risque d'erreur et surtout d'avoir un, une, une phase de design beaucoup plus rapide.